Salut à tous et à toutes, c'est Panix, comment allez-vous? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, on est sur Call of Duty Advanced Warfare et je suis avec la fameuse Sweetie qui est la manageuse de notre roster. Comme je l'ai annoncé dans la dernière vidéo, on part donc sur du code Advanced Warfare et là on est en point stratégique. Donc pourquoi on fait un peu de point stratégique, c'est-à-dire j'essaie de voir un peu les rotations comme ça, enfin ça c'est fun aussi, il y a autour du point et tout, ce qui est bien aussi comme je suis avec au moins Sweetie que je connais, même si vous l'entendrez sûrement derrière. Il y a aussi Venom de Genius qui est en face ou peut-être avec nous, mais il n'est pas dans le groupe d'amis, vous l'entendrez peut-être, mais enfin voilà. Ce que je voulais dire, c'est que avec ce, c'est vrai que je peux me permettre un peu de slay autour, de faire mon taf un peu et puis de m'amuser, parce que trop souvent quand je suis solo en ligne ou en ligue, tout simplement c'est que je fais plusieurs rôles. Je fais le rôle de slayer et également de objectif player, donc c'est assez lourd et là je remarque en plus, je commence à comprendre comment il faut jouer. Bon, peut-être pas forcément dans ce gameplay, je suis très très agressif. Et enfin vous verrez, au début j'ai un peu de mal, mais vous verrez que pendant un moment je vais faire une très grosse série. Possibilité que j'atteigne peut-être la nucléaire, si il y en a une dans ce jeu. Vous verrez, en tout cas au fur et à mesure du gameplay. Donc moi je voulais parler un petit peu d'e-sport. C'est un peu le sujet que j'ai envie de parler grâce à... Enfin, tout simplement en fait que, avec la Covenant, on va se lancer dans le Deserto. Pourquoi ce choix? Tout simplement que Titanfall, c'était un peu la fin, c'était clairement la fin. La X1 TF Cup a annoncé que l'e-sport serait mort après ça. Effectivement, j'ai galéré, Sweetie. Je sais pas si tu l'as entendu. Et ce qui est important à remarquer, c'est que Titanfall était franchement un jeu qui était bien, mais qui était génial en e-sport. Franchement, c'était des games nerveux de ouf. J'ai jamais été aussi concentré de ma vie que pendant les 3 heures de tournoi qu'on a fait. Non, 3 heures, ça se trouve. Je crois que c'était... Bon, je sais même plus combien de temps c'était. C'était 1h30 plutôt, ou 2 heures. Mais voilà, toujours dans l'exagération, c'est plutôt sympa. Là, vous allez voir, je vais commencer un peu à me balader. Pas au moment où je me fais tuer, mais oui, je vais commencer un peu à faire mon taf. Si vous remarquerez avec la balle 27, c'est l'arme que tout le monde utilise. Pour commencer, cette arme, elle va sûrement être bannie en e-sport. C'est-à-dire que les joueurs MLG l'ont en tout cas interdit. Pour tester quelques tournois, pour l'instant il n'y a pas de règles officielles et tout. Ils ont aussi enlevé les killstreaks, donc ça c'est à savoir. Je trouve ça cool parce que les killstreaks c'est pas quelque chose que j'aime trop. Dans BO2 je trouve que ça pouvait servir autant à se relever, mais ça, je trouve que c'était surtout utile à enfoncer le clou, quoi, vraiment foutre l'adversaire dans la merde. Parce que tu prenais le flag, tu le mettais, t'avais presque déjà tout équistrick, donc franchement, après tu les rebalances dans la gueule de quelqu'un d'autre et hop, t'as un 2-0. Donc franchement, je trouve ça très bof, très bof, très bof. Donc pour moi, c'est une bonne nouvelle. Au niveau des maps, personnellement, je n'ai aucune idée de quelles maps seront présentes. De toute façon, je vais pas vous faire des énumérations des maps parce que je suis un peu perdu au niveau des noms. C'est vrai que j'ai... On voit pas beaucoup les noms, vous me dites Retweet, je sais pas trop ce que c'est, je crois que c'est celle d'être avec le tsunami. Je sais qu'il y a Riot qui est celle avec la prison. Biolab, celle dans l'hiver, dans la neige avec les labos, ça s'arrête là quoi. C'est les seules connaissances. Sinon, ce que je voulais dire c'est que pour nous ça va être justement un gros défi, parce que Titanfall, on va pas se mentir, il n'y avait pas énormément de monde. Il y avait peut-être une absence de niveau, puis enfin, je sais pas. Pour moi, voilà quoi, les 4 équipes qui étaient peut-être fortes, et puis sans vouloir être méchant avec les autres, voilà, les autres traînaient derrière.
peut-être 5 équipes, je sais pas, j'arriverai pas vraiment à être précis. Vous remarquerez aussi, je trouve la qualité est assez folle. J'espère vraiment que je pourrais mettre du. Enfin, ce qui est dommage, c'est que sur YouTube, elle est pas aussi belle que là, comme je la vois sur mon écran. Malheureusement, je vais essayer de faire en sorte que ce soit la meilleure qualité possible. C'est filmé en 720p 60 fps, mais je vous mets quand même en 1080p parce que ça permet d'avoir une qualité sur YouTube plus jolie. Permettre un meilleur débit, donc c'est toujours bien. Ensuite, là vous avez vu, je commence à faire une grosse série. J'ai débloqué un bombardement. Je me balade un petit peu. Vous remarquez que je joue beaucoup avec les déplacements aussi. Et j'ai plus de munitions, mais je me ramasse quand même des armes des ennemis. Là il y a tout un spawn. Tout spawn est juste devant moi. Deux, allez, trois, on ramasse la balle de l'autre. Et on rush, et peut-être j'arrivais derrière leur spawn encore. Un, peut-être quatrième, cinquième. Voilà. Donc, là je vais lancer le bombardement. Je vais vous dire, j'étais dans une série à peu près de 40. Hein. De 40, j'ai pété un câble. Je veux dire, j'étais dans une série de 20. Et là j'ai fait tout simplement une grosse erreur, c'est que j'ai complètement pas regardé où est-ce que j'ai lancé mon bardement. Et je me suis tué avec tout simplement. Bravo à Panix, ça c'était franchement, je suis... C'était con, j'aurais sauté le moment de voir s'il y avait l'emblème nucléaire ou s'il y avait quelque chose avec la nucléaire, mais enfin voilà. C'était juste quelques infos au niveau des règles e-sport. Personnellement, au niveau des armes que je conseillerais si la balle n'est plus d'actualité, ce serait peut-être HB RA3. Là, il est pas trop mal. Il a un bon dégât. Il a juste une case de tir qui est pas top top. Et puis, je pense que franchement, il y a moyen de faire quelque chose avec celle-là. La KF5 est pas mal en SMG aussi. Perso, je la trouve très polyvalente. Donc je fais un petit 59-14. J'aime bien à la fin des games, il donne le ratio et tout. Je vois que dans le jeu, surtout, il faut être très concentré quand on joue. C'est ce qui nous permet de bien jouer. Si vous n'êtes pas concentré, si vous ne faites pas attention à vos déplacements, les déplacements c'est tellement important, et également faire très 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 attention aux... comment ça s'appelle? Aux classes, à vos classes, faut faire des très bonnes classes. Moi je remarque, là je vais passer le prestige juste après. Directement je me fais. Je me je, ça devient complètement. Le ratio il retourne à l'envers. Non mais c'est. C'est moche. C'est vrai qu'on n'a pas la crosse et tout. Moi j'aime bien la crosse, la poignée, ergo, et soit le viseur laser, soit la poignée pour le recul, que je trouve qu'ils sont bien et que je conseillerais pour vous. Mais enfin bon, en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié. Vous voyez, plus longue série de points, c'est en bas 20. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à me suivre sur Twitter, à partager sur les réseaux sociaux. C'était un plaisir de faire cette vidéo avec vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.